suis Fanny Adrouer, une ancienne élève de l'UNSA Centre-Val de Loire, diplômée 2018. J'ai suivi le parcours, donc le cursus MRI, maîtrise des risques industriels, et plus particulièrement l'option RAI, risque et accident industriel. Donc cette thématique qui est liée à la fois accident et incendie m'a beaucoup plu. En effet, c'est une thématique très actuelle. En effet, donc, les entreprises emploient de plus en plus des ingénieurs prévention pour mieux appréhender et identifier leurs risques afin d'empêcher des accidents du type Lubrizol de se produire. Donc actuellement, je suis ingénieur prévention dans le domaine des assurances. Notre mission, c'est de réaliser des visites de risque sur des sites industriels pour identifier et analyser tous les risques que courent donc l'entreprise et ses employés, et de conseiller au mieux nos clients en leur proposant des stratégies et des méthodes et des moyens de protection efficaces et adaptés pour empêcher et réduire les risques et les accidents de se produire. Je suis donc ingénieur engagé et engagé depuis assez longtemps. En effet, donc, pendant tout mon cursus scolaire, j'ai essayé d'encourager les plus jeunes, les collégiens et les lycéens, de poursuivre leurs études scientifiques. Et je suis encore engagée à l'heure actuelle. En effet, je participe en tant qu'ingénieur au Challenge Innovatech de l'association Elle Bouge. Et j'essaie de promouvoir les métiers de l'ingénieur au féminin auprès de collégiennes et de lycéennes.